Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'apprivoiser de la faune sauvage chromée. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à des endroits où il y a du chrome, comme l'arbre qu'il y a là, et ensuite vous allez casser les objets en chrome. Comme ça va vous donner des aspergeurs de chrome, comme je viens d'en obtenir un, deux. Voilà, j'en ai obtenu 2 au total. Donc je vais essayer d'en récupérer. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, pour réaliser le défi, il faut approvisionner 2. Désolé pour mon téléphone. Il faut approvisionner 2 faunes sauvages. Donc pour vous aider à trouver de la faune sauvage, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de venir près d'ici, Lustrous Lagoon, plus ou moins par ici. Il y a toujours de la faune sauvage, des animaux qui s'y promènent. Donc là, regardez, il y a un sanglier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en chrome pour qu'il devienne un animal sauvage chromé. Et ensuite, je vais monter dessus. Pour l'apprivoiser. Donc là, j'en ai apprivoisé un. Et pour réaliser le défi, il faut apprivoisiner 2 animaux sauvages, pour terminer le défi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement chercher après un autre animal. Et je vais le chromer. S'il n'est pas déjà chromé, hein, parce qu'il y a déjà des animaux qui sont déjà chromés. Donc si vous tombez sur des animaux chromés, ben, sautez dessus pour l'apprivoiser. Ou sinon, ben, vous cherchez des autres animaux. Donc comme je suis en train de faire. Pour le chromer et ah bah regardez là, là j'ai vu qu'il y avait de la vie qui avait diminué, donc à mon avis c'est un signe qu'il y a des loups quelque part. Donc on va aller voir ça. Et non, il n'y en a pas. Ok, il n'y en a pas. Ah, c'est pas grave, je vais chercher ailleurs. Ok, donc là regardez, j'ai trouvé une poule. Alors je sais pas si ça fonctionne avec les poules, on va tester. Ok, donc l'apprivoiser. La poule, il faut juste appuyer sur triangle normalement. Ça devrait peut-être fonctionner. On va voir. Non, ça ne fonctionne pas avec les poules. Donc ça ne fonctionne qu'avec les sangliers et les loups. Ok, donc là j'ai trouvé un loup, parfait. On va le chromer. Bam. Et maintenant on va sauter dessus pour terminer le défi. Donc, ah. Par contre là ça va pas. Hop. Voilà, parfait. Donc dès que vous aurez sauté sur 2 animaux chromés, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!